l'entraide se mettent en place beaucoup plus naturellement dans ce dispositif. Je suis Agnès Rifonneau, j'habite Tours. J'ai exercé comme professeur des écoles dans plusieurs établissements de l'agglomération, soit en ville, soit à la campagne. Et aujourd'hui, je suis à la retraite. Alors, le sujet de la classe dehors, ça m'a toujours intéressée. Et en fait, j'ai pratiqué la classe dehors, mais je l'ai pratiquée de manière spontanée, hein, naturelle, sans réfléchir plus que ça aux enjeux. Et c'était toujours autour d'un projet. Un projet de séjour vélo qu'il fallait préparer, un jardin dans l'école, une expo photo dans le quartier avec un artiste photographe. Voilà, on est toujours sortie avec mes élèves, hein, mais je comprends aujourd'hui que la classe dehors, c'est plus que ça. Hein, c'est plus que ça pour deux raisons que je trouve essentielles. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais je voudrais souligner ces deux-là qui me paraissent importantes à mes yeux. La première, c'est que la classe dehors modifie les postures, modifie la posture sachant-apprenant, c'est-à-dire la posture de l'adulte qui sait tout et l'enfant qui est là uniquement pour apprendre. Il me semble que la collaboration entre enfants, la prise d'initiative, l'entraide, se mettent en place beaucoup plus naturellement dans ce dispositif, sans le recours systématique à l'adulte. La deuxième chose importante, c'est pour moi, c'est renouer avec la nature, reconnecter l'enfant avec la nature, même proche, même modeste, hein, apprendre à la connaître, à l'apprécier pour la protéger. Ça me paraît complètement essentiel pour affronter la crise climatique en cours. Quand je repense à ce que j'ai vu dans les pays du Sud, je crois qu'on aurait grand intérêt à partager nos expériences avec nos collègues qui vivent la classe dehors, mais contrainte, de manière contrainte et subie, puisque les établissements font défaut, hein, les équipements font défaut. Et travailler avec eux permettrait de partager les savoirs, les expériences de manière profitable pour les deux parties, il me semble.